traditionnel bal de la rose s'est tenu à la salle des fêtes, en présence de nombreuses prétendantes au titre de Miss Rose 2019 et un public présent pour cette soirée de gala. Je suis très heureux que la Miss Rose 2018 est présente, ainsi que ses deux dauphines. Elles suivront dès que j'aurai fini de voyager un peu. Alors j'espère que cette soirée, grâce à vous et votre présence, sous les convives, parce que si nous n'avons pas de convives, nous ne pouvons pas inviter de Miss. Je voulais souhaiter bonne chance à toutes les candidates. Je pense qu'elles en ont besoin parce qu'elles sont un peu trop stressées. Voilà, passez une bonne soirée, merci. Après une allocution d'Alain Budjeune, président de la Société La Rose, place à la musique. Des impressions des candidates à l'élection. Dans la vie, je suis une vraie challengeuse et Miss Rose est l'occasion pour moi de réaliser un nouveau défi. Je me présente à l'élection Miss Rose parce que, avant tout, j'aime entreprendre de nouveaux projets et surtout, j'aime m'ouvrir de plus en plus aux gens, aux associations, aux commerçants et donc apprendre un petit peu plus à vivre avec les Méziérois et les Méziéroises. C'est ma grand-mère qui m'a incité à me présenter, ça lui ferait plaisir que je sois élue. Du coup, on verra bien. Pour acquérir de nouvelles expériences, parce que c'est la première fois que je participe à Miss Rose ou à une autre Miss. Pour rendre aussi fière ma famille et aussi pour m'amuser. J'ai jamais participé à un concours de beauté et je pense que c'est une expérience enrichissante. Et en plus, je serais honorée de représenter la ville de Mézières-lès-Metz pendant un an. C'était un rêve depuis toute petite, donc aujourd'hui je le réalise et je serai très fière d'être Miss Rose et représenter la ville de Mézières-lès-Metz. Je me suis présentée à l'élection Miss Rose 2019 parce que, avant tout, j'ai envie de vivre une belle expérience entourée de ma famille et je ne cherche pas avant tout à gagner. Mais plutôt à passer une belle soirée et profiter du moment présent. C'est un défi à relever et je serai très très fière de pouvoir représenter la ville où j'ai grandi, donc Mézières-lès-Metz. Je suis prétendante Miss Rose 2019 grâce à mon grand-père, c'est pour lui que je me présente ce soir. Et je souhaiterais être la nouvelle ambassadrice de l'association. Moi, c'est un challenge de me présenter à Miss Rose aussi pour gagner en assurance parce que je manque un peu de confiance en moi. Donc c'est vraiment un challenge. Et ce serait une fierté de représenter la belle ville de Mézières. Suite à plusieurs défis des jeunes femmes, les convives se sont fait une idée des postulantes avant un vote écrit. Laura Reinhardt, 21 ans, a été élue Miss Rose 2019, première dauphine la Méziéroise Marion Kessler, âgée de 19 ans, et deuxième dauphine Clara Levanco de Metz. Une soirée empreinte de féminité avec un repas et un orchestre.